Eh bien, salut tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, différente des débriefs de d'habitude. Hein. Je la fais enfin, cette vidéo bilan mercato. Hein. Enfin, je dis enfin, bon, comme si ça faisait longtemps, mais bon, j'ai enfin réussi à faire une vidéo hors débrief, parce que j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos hors débrief, c'est vrai que des fois j'ai pas la passion. Bref, je te fais une petite vidéo aujourd'hui, enfin une petite, je vais essayer d'être le plus court possible, même si je pense qu'elle va durer plus de 10 minutes comme d'habitude. Où je vais faire un peu le bilan du mercato et je vais réagir aussi rapidement au tirage d'Europa League. Et je vais pas perdre de temps, je vais déjà en parler maintenant hein, de ce tirage d'Europa League qui est tombé du coup. Alors, comme vous le savez, cette année c'est une formule différente. Hein. Maintenant il n'y a plus de groupe, etc. Maintenant tu joues 8 équipes différentes et puis tu as un classement général. Enfin bref, je vous laisserai aller vous renseigner sur YouTube. Hein. Je suis désolé de ne pas pouvoir expliquer, mais sinon ça va prendre trop de temps. Même si je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes au courant du nouveau changement. Donc les tirages, hein, donc Olympiakos en première journée, en plus je suis sympa, j'ai mis même le calendrier. On jouera l'Olympiakos en premier, après on jouera les Rangers, Bezic, j'arrive pas à dire ce, je suis désolé, je vais pas dire le mot, j'arrive pas, mais bref, ce fameux club turc qu'on a affronté en Europa League il y a quelques années, on se rappelle. Hein. Hoffenheim, Karabag, qui est en Abzé, je sais pas où c'est, ouais, Azerbaïdjan, je suis pas sûr de ce que je vous dis, ouais, et tu joueras à Francfort. Alors déjà, si je peux prendre un peu plus de recul, moi je ne connais pas du tout ces équipes-là. Je suis sincère avec vous, moi je connais pas du tout la plupart des équipes. Hein. Karabakh, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Hoffenheim, je regarde pas. Les Rangers non plus. L'Olympiakos encore moins, tu vois. Bon, on connaît deux noms forcément. Voilà, Beşiktaş et bien sûr Francfort. Même bon, on les connaît. Tu vois, même les Rangers, en soi, on les connaît aussi. On les a déjà affrontés en foule il y a quelques années. Maintenant, leur niveau actuel doit être différent. J'avoue, je ne me renseigne pas sur ces championnats, donc je sais pas quoi m'attendre de la part de ces équipes au niveau du jeu, au niveau de leurs joueurs. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je connais quelques joueurs, mais voilà, pas tous. Ce que je peux quand même vous dire, je pense quand même, en étant un peu, voilà, en étant un peu de recul, c'est quand même un tirage quand même que je trouve pas non plus difficile. C'est pas un tirage non plus facile, attention, parce que il y a quand même des matchs, surtout à domicile, où c'est pas forcément simple. Hein. Jouer Francfort, voilà, et le club turc. Juste que j'ai vraiment peur de dire le mot par peur d'écorcher. Mais c'est vrai que franchement, c'est quand même, je pense, quand même assez abordable. Enfin, du moins, on est capable pour moi d'aller chercher ça. Ça sera pas non plus facile, mais bon, je pense qu'il faut que tu finisses dans les 8 premiers, sachant que c'est un classement sur 36 équipes, pour être directement qualifié pour les 8e. Et sinon, d'après, tu dois jouer en gros des espèces de 16e, enfin, des barrages, tu appelles ça comme tu veux, entre la 9e et la, je sais plus combien, 24e place, si je me trompe pas, un truc comme ça. Donc ouais, je pense que vraiment, avec les rencontres qu'on va affronter, on finira au minimum top 24, ce que j'espère. Et bon, voilà. Après, voilà, j'espère aussi, voilà, peut-être pour aussi assister à un des deux matchs. J'aimerais bien faire Lyon-Beşiktaş. Justement, j'aimerais bien le faire au stade, parce que ça sera chaud. On connaît l'ambiance, on se rappelle de ce qui s'est passé il y a quelques années. C'était assez chaud. Hein. Hein, les Glasgow, ce sera pas un déplacement facile aussi, je pense. Et après, bon, Olympiakos, voilà. Karabakh, même si c'est, faut aller jouer là-bas. Normalement, c'est des matchs où tu dois aller chercher des points. Pareil pour Hoffenheim. Hein, c'est des matchs où il faudra aller chercher les points. Voilà, on verra bien après ce qui se passe. C'est vrai que, à part vraiment, je trouve Glasgow et Francfort, qui peuvent peut-être vraiment être assez chiants, normalement, c'est quand même à notre portée. Et aussi, Beşiktaş, du coup, et aussi Beşiktaş. En fait, voilà. Pour moi, on va dire que Olympiakos, Hoffenheim et Karabakh, normalement, on doit tout faire pour aller 3 points. Et après, voilà, il faut s'arranger pour gagner le plus de points possible. Voilà. Bon, maintenant, on va s'attaquer du coup au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire faire le bilan mercato de l'Olympique Lyonnais. Hein, voilà, on va faire vite faire un petit bilan. J'ai un peu travaillé pour. Hein. J'ai fait un petit tableau, hein, comme vous voyez, donc avec pour faire un petit peu une vue globale de notre mercato voilà, plutôt complète, même si genre du côté des départs, j'ai oublié de le dire, mais j'y pense maintenant. Il y a Caio Henrique, c'était Henrique, je ne sais plus comment c'était son prénom, excusez-moi. L'ancien latéral gauche qui s'est fait remplacer par du coup Hamner, numériquement parlant, qui est parti libre. Hein, genre que je lui souhaite vraiment le meilleur parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Là où vous avez une vue globale, hein, donc je vais essayer de jongler comme ça, tu vois, pour après voilà, vous parler et pour que vous n'ayez pas forcément de tableau tout le temps en pleine gueule. Donc déjà, on peut noter déjà, bon, avant tout, qu'est-ce que c'était généralement on va dire, le but de notre mercato qui était vraiment les besoins cruciaux de l'Olympique Lyonnais de ce mercato, parce qu'il y en avait, et on le sait tous, les gars, on va pas se cacher, c'était au milieu de terrain, hein, d'avoir plus ou moins un milieu de terrain, ou deux, même plusieurs, parce que moi, bon, il en fallait pas qu'un, il en fallait pour moi plusieurs. Milieu de terrain à vocation offensive, c'est-à-dire un 8 offensif, un 8 qui percute, qui casse des lignes, qui sache faire des différences aussi, tu vois. T'as bah, numéro 8, numéro 10, appelle ça comme tu veux, hein. C'est pareil, 8 et demi, je sais pas, t'appelles ça comme tu veux. Mais c'est vrai qu'on avait besoin notamment d'un joueur comme ça au milieu de terrain. Chose que quand vous regardez bien, bah, on n'a pas eu, hein, faut le dire, on n'a pas eu ça dans les arrivées. Alors par contre, on a eu, voilà, bon, il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est un mercato qui est assez dur à analyser, on va faire les grandes lignes.
Mais c'est vrai qu'on voit surtout, on a eu un départ crucial entre guillemets de notre équipe, c'est-à-dire Jacob Bryan. Donc voilà, Jacob Bryan qui est resté qu'une saison chez nous, qu'on a acheté moins d'un million d'euros, qu'on revend à l'arrivée pour une belle somme. Alors c'est vrai que 20 millions d'euros, je suis honnête avec vous, moi je pense personnellement qu'on aurait pu le revendre beaucoup plus cher. Enfin, je dis sincèrement, je pense vraiment qu'on aurait pu le vendre beaucoup plus cher. Encore une fois, voilà, on sait qu'on a des problèmes dans cette gestion pour vendre, mais bon, ça reste quand même une énorme plus-value. Parce que là, c'est quand même beau d'arriver, d'acheter un joueur moins d'un million d'euros et un an après leur vendre 20 millions. C'est quand même très bon pour le côté financier. Si ce n'est bien sûr, de bien sûr bien investir après cet argent. Et quand tu vois qu'on a investi cet argent globalement pour le remplacer, on va dire, poste pour poste par Moussa Niakate, bah moi les gars, Moussa Niakate, 32 millions d'euros. Bah on va pas se mentir, alors Moussa Niakate, j'ai pas envie de l'enterrer encore parce que pour l'instant ses premières prestations, voilà, sont, on va pas se mentir, elles sont pas bonnes, hein, elles sont quand même assez dégueulasses pour l'instant. Alors le deuxième match là, ça allait, enfin le troisième match, ça a l'air un peu mieux là face à Strasbourg, mais bon, il est pas non plus irréprochable non plus dans ce match, hein, il fait pas non plus, je trouve, un très bon match. On va attendre, mais je pense que même si tu vois il se remet la tête à l'endroit et qu'on voit quand même toutes ses qualités vraiment au premier plan. Jamais ça vaut 32 millions d'euros, putain, sans déconner, c'est quoi cet argent encore une fois c'est quoi cet argent investi quoi? Les gars, vraiment, je vous jure, je suis choqué de cet argent investi. Vraiment, pour un joueur comme ça, alors après, tu vois, pareil, Ernest Nuamin, je vois qu'on a du coup, parce qu'on a aussi finalisé certains prêts payants qu'on avait fait lors du mercato hivernal, hein, je vous le rappelle. Donc, on a en l'occurrence Ernest Nuamin, bon, pareil, 32 millions, beaucoup de gens voulaient le voir partir, hein, d'ailleurs. Chose, j'en profite d'ailleurs aussi pour en parler, ça me fait beaucoup rire, les gens qui, voilà, ça fait un an qu'Ernest Nuamo est là. Moi je trouve plus sérieusement que c'est un joueur en effet qui a beaucoup de lacunes encore, mais qui est encore jeune, qui je pense a le temps d'évoluer, de muscler un peu son jeu, tu vois, c'est un jeune joueur. Je pense que beaucoup de gens disent, ouais, en une saison on l'a pas beaucoup vu. Par contre, les gens, ils étaient contents que Cherki prolonge. Hein, Cherki, par contre, eux, ils étaient en mode, ah ouais, c'est normal, on est, c'est content. Cherki, ça fait 5 ans qu'il est pro, hein, ça fait cher, Cherki, ça fait 5 ans qu'il est pro chez nous, il doit avoir, allez. Maximum, ça se compte sous le doigt d'une main, 5 matchs référence et encore, hein, allez, peut-être 5-6, on va être gentil avec vous, les Cherkis, je vous appelle ça comme ça, tu vois. Mais franchement, les gars, je veux dire, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un délit de sale gueule, c'est vraiment un. Comment on appelle ça? C'est. J'arrive pas à trouver mon mot, ça m'énerve. Mais voilà, c'est vraiment purement lyonnais, c'est. Enfin, j'arrive pas à trouver mon expression, ça m'énerve. Mais voilà, on va pas se mentir que les gens aiment bien donner beaucoup plus de crédit, beaucoup plus de temps à des jeunes du centre de formation qu'à des joueurs qui viennent autre part. Or, pour moi, tu mérites de donner du temps à quelqu'un selon ce qu'il te montre. Et moi, je suis désolé, mais Ernest Nuamba, même s'il a raté beaucoup de matchs, il a aussi fait des bons matchs, faut pas l'oublier aussi. Hein, alors après, 30 millions d'euros, est-ce qu'il les vaut? Ça, on verra bien. Parce qu'on était prêt à le vendre à Fulham ou je crois un autre truc comme ça pour une somme modique derrière. C'est-à-dire que tu aurais, comme avec, regardez, comme vous le voyez sur le tableau, comme avec Mama Baldé qu'on a acheté 6 millions, qu'on a revendu juste derrière 4 millions 5. D'ailleurs, je suis un peu déçu pour lui. Après, c'était un peu bouché devant, il y avait très peu de place à se faire, même s'il avait fait des très bonnes rentrées. Généralement, j'étais un peu déçu pour lui. Voilà, on était prêt à vendre Ernest Nuhama 20 millions. Donc, encore une fois, un investissement où tu es à perte. Hein. Pareil pour, il me semble, il y avait un autre joueur aussi, on a failli faire ça aussi. Bah pareil, bon, Mongala qui est techniquement prêté à Everton, mais qui sera peut-être amené à comment à signer chez eux, je me rappelle plus, c'est une option d'achat. Ouais, bon, c'est spécial, hein, c'est spécial un piquenet. Et moi, je vous avoue que c'est un peu, ça vient surtout de cette gestion de Textor. Et là, beaucoup de gens se posent la question, et moi aussi, on est inquiet en tant que supporter d'un piquenet de cette gestion financière d'un piquenet. Parce que les gars, moi ça me plaît pas trop ces histoires avec voilà Botafogo qui fait des échanges, regardez, vous voyez Mohamed El Haroush qui parle, voilà, qui part à, bon, j'espère qu'il va réussir à se remettre bien là-bas à Botafogo, mais ça me plaît pas trop, tu vois, ces échanges comme ça. On vend Jack O'Brien à Everton, on sait qu'après derrière il rachète Everton. C'est ouais, non, c'est spécial, hein. T'as l'impression qu'il y a un peu le blanchiment d'argent, pareil Abner, bon, pour l'instant c'est pas si dégueulasse, même si je suis un peu inquiet par rapport à lui. Abner, on voit pas beaucoup non plus de, on voit pas beaucoup de choses non plus extraordinaires chez Abner. 8 millions d'euros, il sort complètement de la cave, on ne le voit jamais jouer à Séville. Ouais, c'est spécial, hein, c'est spécial et ça me plaît pas trop cette histoire là de multipropriété. Moi je vous dis, la multipropriété, c'est un cancer du football, hein. Je pense que vraiment c'est une vraie merde. Pour l'instant, bon, on va dire que ça va pas bien non plus, mais c'est pas encore en plus catastrophique. On n'est pas encore les Girondins de Bordeaux et j'espère qu'on ne le deviendra jamais. Mais financièrement, j'aime pas ce qui se passe. Je n'aime pas ce qui se passe. Ça me plaît pas. Hein, la gestion, encore une fois, pareil. Ça, c'est des problèmes aussi. Mais au final, parce que ça, j'en parle pas depuis le début. Mais
Quand tu vois notre mercato, bon, tu fais des très bonnes recrues comme Mikotadze, qui je pense est la recrue phare de ton mercato, hein, parce que bon, c'est la seule véritable nouveauté, on va dire, véritable très grosse nouveauté, du moins du côté de l'Olympique Lyonnais, avec Georges Mikotadze qui servira sûrement à prendre le relais d'Alexandre Lacazette dans les futures saisons qui sont à venir, parce que Lacazette il se fait un peu vieux, même s'il est encore très bon, on a vu son match face à Strasbourg. Bon, très bonne recrue, d'ailleurs j'étais assez choqué qu'on réussisse comment aborder, enfin à attirer Mikotadze. Je pensais réellement que comment il allait signer à Monaco. Il a fait le choix du cœur, parce que pour beaucoup de gens qui savent pas, Mikotadze c'est un joueur qui est formé à Lyon, hein, donc on connaît, je pense qu'on a tous vu l'Euro 2000, enfin la plupart on a tous regardé l'Euro, bon pas un très bel Euro, mais on a quand même vu des petites frissons, une partie de moment quand même, et bon le gros frisson de cet Euro pour moi c'était la Géorgie, hein, qui vraiment proposait un beau football et tout, et Georges Mikotadze nous a montré aussi pas mal de bonnes choses, donc ouais voilà, content pour Mikotadze, c'est une bonne recrue. Après c'était pas la priorité, mais bon au moins tu prépares un peu l'avenir de ce côté-là, c'est bien. Donc ouais il y a ça. Après voilà, si après t'as eu la recrue aussi de Tanner Tessman que je connais absolument pas, donc je peux pas vraiment vous donner d'avis sur lui, hein, numéro 6 je crois le plus, donc on verra bien ce qu'il faut. Mais surtout quand tu vois les arrivées, bah tu vois aucun milieu offensif quoi, tu ne vois aucun joueur, on va repartir avec le même milieu de terrain globalement que l'année dernière, c'est-à-dire Tolisso. Alors si Tolisso nous fait le match que face à Strasbourg, il n'y a pas de souci, mais ça j'en doute qu'il soit tout le temps à ce niveau-là cette saison, on verra bien ce qui se passe. Donc tu vas te retrouver avec un milieu de terrain comme Tolisso, avec Tolisso, Kakré, Matic, au pire, alors t'auras Tennesman qui sera aussi dans la rotation. Ouais, non, c'est chaud, je dois oublier peut-être des joueurs aussi, mais je pense pas. Hein. Ouais, Mangala ne sera pas là du coup, parce que Mangala est prêté à Everton. Et Larouche, pour mon plus grand regret, on sait que c'est un joueur voilà, en off qui a fait une espèce de petite dépression, quoi que ce soit, enfin une petite dépression, je dis ça comme si c'était petit, la dépression, c'est quelque chose, c'est une vraie maladie. C'est très grave, je sais pas ce qui lui arrive dans sa vie. Je lui souhaite le meilleur à Jorloss, parce que c'est un joueur qui avait vraiment l'air d'avoir du ballon. On ne sait pas s'il aura réussi en pro. Et bon, de ce que je voyais en Gambardella, parce que j'avais un peu regardé la Gambardella, ça puait le football. Je suis assez triste que voilà, ça n'ait pas marché, que ça n'ait pas fonctionné derrière dans le monde pro. J'espère qu'il va vraiment se remettre les idées en place, qu'il va vraiment kiffer au Brésil. Je lui souhaite le meilleur à Jorloss, que ça va vraiment être un joueur sympathique, je trouve. Hein. Voilà, pareil pour Mamadou Sarr, c'est déçu qu'il parte, parce que bon, je pense que c'est un bon prospect, et du coup c'est pareil, c'est ce que je disais, j'avais oublié de le dire aussi, c'est que tu as perdu au final deux défenseurs centrales, mais tu n'en as remplacé que par un, et encore, t'es même pas sûr qu'il soit de bonne qualité. Donc ouais, niveau de la défense centrale, Drielsen, on sait pas s'il est parti aussi, j'ai pas trop compris s'il partait, mais bon, sur ce que je vois, il n'est pas parti réellement, on verra bien, normalement il n'est pas parti, ou peut-être que le mercato brésilien n'est pas encore fermé. Donc ouais, il y a des rumeurs comme quoi il y avait peut-être Ebemba qui allait venir après chez nous, je sais pas si ça peut encore se faire, on verra bien, je pense pas. Mais bon, on verra bien, c'est comme Veretout qui pourrait aussi possiblement venir, ça j'en parle pas trop parce qu'on sait pas, on verra bien ce qui se passe par la suite. Mais bon, le bilan il est là à faire, tu vois les départs, les arrivées. Donc ouais, bah écoutez, un mercato que moi je trouve pas assez décevant en vrai, parce que bon, même si tu vois, t'as quand même Mikotadze, et on va dire, voilà, peut-être après on verra bien ce que ça donne avec. Ah oui, j'ai oublié de parler de lui aussi, j'ai complètement oublié d'en parler, mais aussi de parler aussi à l'arrivée de derniers joueurs qui sont venus chez nous, de Zaha et Omari, c'est que j'avais complètement zappé ces joueurs. Ça, c'est pareil, tu vois, bon. On perd, on va dire, voilà, Badé pour peut-être prendre Zaha. Alors, je sais pas trop ce que ça devient, Zaha. Je sais qu'il avait beaucoup la cote à un moment donné en première ligue. On verra ce que ça donne. C'est une assez grosse arrivée de notre côté. On verra bien ce qu'il donne. Omari, défenseur central. Bah, du coup, si je me suis un peu trompé, on a techniquement du coup remplacé numériquement. C'est vrai que excuse-moi, j'avais même pas regardé. Rémi Descamps aussi, qui d'ailleurs en place, je sais plus quel goal, qui vient en provenance du FC Nantes. Bon, il sera dans la rotation. Ce sera Lucas Perry qui sera là. On verra bien si Lopez vraiment est vraiment mis sur la paille. Aussi. Donc, ouais, Omari, bon, je parle du joueur que je connais pas assez. Ce qui part, on m'a dit que c'est un joueur qui faisait beaucoup d'erreurs au Stade Rennais. On verra ce que ça donne chez nous. La vérité, à un endroit, n'est pas la même qu'ici. Tu vois, j'ai envie de te dire, bon, ça se dit pas ce que je dis, mais t'as compris. C'est pour un peu inventer une petite expression. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Bon, on va dire que je suis pas non plus forcément très satisfait du mercato, mais je suis pas non plus méga déçu parce qu'il y a quand même des petites bonnes choses. Maintenant, je pense que voilà, ce côté vraiment numéro 8 offensif, on va le payer avec le temps. Hein. Pareil, espérons vraiment qu'Almada vienne chez nous. Hein. Espérons réellement hein, qu'il vienne vraiment dès cet hiver, ce qu'on en aura besoin, même si pour moi c'est déjà un peu trop tard de base. Mais bon, c'est comme ça, ce qu'il a Botafogo pour ceux qui ne savent pas. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, sinon, j'ai pas d'autres choses à dire sur ce mercato. Hein. Voilà, on fait un peu le bilan ensemble. J'essaye de revoir des choses. Donc, ouais, après, ça a été drama. Après, on a eu beaucoup de joueurs voilà, qu'on a officialisé les prêts, qu'on avait fait beaucoup de prêts, on les a officiellement achetés. Donc, Benrahma, Mangala, Nuama, Keita Char. Bon, lui, en vrai, on fait une bonne opération, même si je pense que cette saison, il me fait un peu peur avec son niveau. C'est quand même une bonne chose. Ouais, donc après, on verra bien. Et puis après, les départs, ouais, bon, des joueurs comme Lazari, je connais pas assez. Kadewere, il était temps qu'il parte. Demandé aussi, c'est bien, on s'est débarrassé de lui.
Le Penang, bon, Amine Sarampré aussi, un peu un échec industriel aussi, il faut en parler. Là, Ismandine Alifoche, je sais pas qui c'est et tout. Le Penang, un peu déçu par le Penang, j'avoue, j'aurais peut-être bien voulu voir peut-être un peu le Penang dans la rotation. Bon, après, voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce bilan mercato. Au final, j'ai pas de grandes choses à dire, que je suis assez, quand même un peu déçu. Voilà, on va pas se mentir, on va voir ce que ça va se passer cette saison. Je pense que malgré tout, les gars, avec ce mercato, avec l'effectif plutôt, du moins général qu'on a, t'es censé quand même être au moins facile top 7, les gars. Normalement, t'es quand même censé, si tu fais le boulot assez bien, que tu joues bien ton coup face au petit et que face au gros, t'arrives à gagner du moins la plupart de tes matchs à domicile. T'es censé être dans le top 6 maintenant, voilà, le top 7 au moins minimum, pardon. Maintenant, voilà, on sait que Lyon, l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Moi, j'y crois pas avec cet effectif. Hein. Après, on peut voir, il peut se passer encore beaucoup de choses. On a vu face à Rennes et face à Monaco que ça va être compliqué, hein, dès que les équipes vont commencer à lever le niveau de jeu, enfin, monter leur niveau de jeu. Ça va être compliqué parce que là, on gagne face à Strasbourg dans un match à sens unique. On va pas se mentir, il faut pas oublier aussi que Strasbourg, on a gagné de cette façon-là avec Strasbourg, avec Tolisso, Cacré au milieu de terrain et tout. Parce que voilà, on avait, j'allais dire, j'en avais les joueurs pour, mais non. On avait, Strasbourg nous permettait d'avoir un jeu comme ça. Donc après, je suis pas sûr que ce milieu de terrain tienne la route. On verra bien. C'est la surprise, on va dire. Même si bon, depuis le temps, on se doute bien. Ça fait des années qu'on n'a pas de 8 à Lyon, mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Depuis Paqueta, on n'a pas eu, on n'a jamais, et depuis Paqueta y avoir, on n'a jamais eu réellement, par contre, de nouveau numéro 8. Donc bref, on verra bien. J'ai pas d'autres grandes choses à vous dire cette vidéo. À part ça, c'est avec ce bilan mercato, j'ai un peu fait le tour. Hein, voilà, bon. Mercato, là, chacun en pense ce qu'il veut. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Hein, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo bientôt. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette vidéo. Et puis voilà, tout simplement, à LOL et à la prochaine. Allez, à plus.